Bon alors, ici nous sommes dans un appartement, premier étage, et en fait on s'en fout de ce que je dis là, je sais pas pourquoi je dis ça. Comment dire, le sol n'est pas droit du tout. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une des missions de l'entreprise qui a fait la rénovation de remettre tout le sol de niveau. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu apparemment. Ce qui fait que j'ai un décalage entre le ventail fixe, qui n'est pas un ventail du coup, et le ventail mobile, qui n'est pas mobile non plus, c'est juste un ouvrant. Il y a 5 mm, 5-6 mm. Ça va, c'est pas énorme. Hein. Après, ils ont bien bossé pour faire l'encadrement. C'est pile poil d'aplomb. Et là, c'est de niveau sur le linteau. Donc magnifique. Franchement, je demandais pas mieux. Juste le sol, voilà, il y a 5 mm d'écart sur de 1,80 m. Pas de bol. Donc j'ai rattrapé ça avec le ventail fixe. Et je me suis adapté après parce qu'il faut que la porte s'ouvre, hein, sinon si ça frotte au sol, c'est pas la peine. Le ventail, lui, fixe, doit se poser au sol. Parce qu'il y a du poids et c'est lui qui va assurer la structure de l'ouvrant, en fait. Hein. Ce que j'ai fait là, en bas, vous avez vu feuillure contre feuillure déjà pour l'ouverture et la fermeture. Hein, ça, c'est un classique que je fais. Je sais pas si je vais mettre un mot clair, c'est pas sûr. Hein, le mot clair, c'est la petite partie de bois. C'est le petit bois qu'on rajoute pour cacher le joint. Voilà, on appelle ça aussi un couvre-joint, ça dépend où on habite. Et là en bas, j'ai fait une feuillure, une double feuillure en fait, comme si c'était une languette, on va dire, je vais vous montrer après, pour faire croire que les deux vantaux sont au même niveau et qu'on ait une ligne au sol qui soit la même. Voilà, tout simplement. J'aurais très bien pu mettre des cales en dessous, mais une cale de 8 mm, ça se voit. Voilà, donc là ici, il reste juste une petite partie de bois qui doit faire 1 cm. Et je vais devoir repeindre cette partie-là, histoire qu'on voit rien, en fait. Il faut vraiment se mettre comme ça. Et encore, je crois qu'il faut être à genoux, hein, pour le faire, et pour voir ce truc-là, voilà. Ça m'embêtait que lui pose au sol et qu'il y ait un décalage de 8 mm avec l'ouvrant. Du coup, j'ai compensé ça en faisant ce système. J'espère que c'est clair. Allô, Sandy, j'étais en plein enregistrement. C'était Sandy de Festool. Je me devais de décrocher. Salut Sandy. Donc en image, voici la feuillure, d'accord? Feuillure contre feuillure pour l'ouverture et la fermeture. Ici, bon, j'avais un éclat en sortie, j'ai pas mis de martyr, c'est une erreur, voilà. Donc du coup, j'ai recollé un petit peu, il y avait juste un petit lamelle là qui s'est décollé. Là, j'ai recoupé la partie, donc ici, parce que vous doutez bien que si ça continuait, j'ai recoupé juste cette partie-là, et en fait, vous avez ça, quoi. Voilà. Comme une lame de parquet. Ce qui fait que ça, c'est posé au sol. OK? Et du coup, on a ce joint-là creux, on va dire, qui représente l'ouverture de la porte, quoi. Pour la porte, il y a cette petite pièce qui a été rajoutée, ça met du cachet, je trouve. Franchement, ça claque. Et voilà, du coup, on a la contre-feuillure ici. J'ai déjà posé le cadre là, à l'heure à laquelle je vous parle. L'encadrement est posé parce que je voulais être sûr d'arriver avec la porte nickel et qu'il n'y ait pas d'erreur de surprise, quoi. Voilà. Donc je préférais poser le cadre avant pour ne pas avoir de surprise parce que là j'ai des verres. Il va y avoir des verres ici et le verre n'est pas compressible et puis pour le couper c'est une galère pas possible. Hein. C'est du feuilleté. Voilà. C'est du 3-3-2 que j'ai mis. 33-2 quoi. J'ai bien fait parce qu'en fait j'avais pris des cotes moi à la base, sauf que les artisans sont repassés, ça n'allait toujours pas, ils ont réenduit, ils ont fait, enfin voilà. Et du coup, toutes les côtes ont changé. Donc là, dernièrement, je lui ai demandé à l'artisan, si c'est terminé ton travail? Il m'a dit oui, c'est bon. Ok, on peut prendre les côtes définitives, sauf que dans l'encadrement, ici, j'ai un mur qui n'est pas d'équerre, d'accord? J'ai 93 degrés à droite et j'ai 96 degrés à gauche. Donc en fait, j'ai le mur qui est comme ça. Voilà, en gros, j'ai gauche et droite qui sont comme ça. Alors, c'est parallèle, hein, mais c'est plus d'équerre. Donc si c'est plus d'équerre, ça veut dire que je vais compenser ici, j'ai compensé avec une cale de 3 mm et 3 mm de l'autre côté. Donc en gros, je réduis mon espace. Ce qui fait que, à ce moment précis, ma porte ne passait pas. Donc j'ai modifié ça. Ici, vous avez vu, j'ai fait un dégraissage. Pouah, la vache. Ici, vous avez vu, j'ai fait un dégraissage du champ à 3 degrés, d'accord? Et j'ai fait la feuillure après. Comme ça, je suis certain que ça va bien fermer. Et on verra si je mets un mot clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Le système de charnières, donc ce sont des charnières invisibles que j'aime bien utiliser. C'est complètement invisible en fait, c'est que sur le champ de la porte. Et en fait, les charnières supportent 40 kg à la paire. Donc là, il y a 40 kg, le ventail ne fait pas 40 kg déjà. Et en plus de ça, il y en a une troisième qui tient la route. Donc on est large. Voilà. J'ai pris la décision d'acheter une serrure en laiton. Voilà, petite serrure toute simple. Enfin, c'est une serrure, il y a juste un pen, hein, tout simplement, et puis avec une gâche, quoi. Mais tout en laiton, très sympa. Ça n'a pas besoin de plus. Et la poignée, c'est une poignée en porcelaine qui est juste là. Voilà. Ça va très bien avec l'appartement parce que voilà, c'est des vieux appartements de Montpellier, quoi. Il me reste à faire les défonçages donc de la serrure côté gâche et côté poignée. Il me reste à finir tout ce qui est peinture parce que c'est moi qui m'occupe de ça. J'aime bien faire ça en plus. Après, mettre les verres et les pare-closes, mais seulement côté de l'ouvrant. Parce que sur le fixe, je vais d'abord visser l'encadrement. Comme ça, au moins, on aura zéro vis, ok, apparente, je veux dire. Et après, je mettrai les verres sur place, avec les pare-closes et tout. C'est la solution que j'ai trouvée la meilleure pour arriver à faire ça. Voilà. C'est-à-dire que dans la feuillure du ventail fixe, là, ben, je vais venir percer, visser, mettre le verre et les pare-closes. Au moins, on verra que dalle. Bon, allez, je continue. Parce que déjà, un, ça va pas se faire tout seul. Et les explications, ça va 5 minutes. On a joué à l'arc à ventouse avec l'assistant. Ça a mal fini. Alors à notre époque, c'est vrai, dans les années 90, on galérait un petit peu, on se faisait un arc. On prenait un bout de bois, on essayait de le tordre avec une ficelle en travers, là, hop, et on tirait, et puis ça partait un peu où ça voulait. Maintenant, ils font des machines de guerre, les mecs. Une espèce d'arbalète, là, qu'on met ici, là, comme ça, à bout portant, là.
J'ai failli perdre le visage. Alors, ça, c'est le ventail fixe. Ça, c'est le ventail... C'est l'ouvrant. Hein. Ouais. Donc, le ventail fixe va servir de support à l'ouvrant. Vous êtes d'accord? On a un truc fixe, le ventail vient fermer comme ça. Donc ça, il faut que ça soit costaud, là. Donc, pour ça, ben, j'ai fait des trous, des avant-trous, là, pour venir me fixer dans le cadre que j'ai déjà posé. En haut, en bas et sur les côtés. Ces points d'attache-là sont importants parce que c'est ici que ça va fermer. Là, imaginez que c'est de l'autre côté. Donc là, je vais percer dans le carrelage. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de chauffage au sol. Et là, ça va être dans mon cadre aussi. Le truc, c'est que si je fais ça, je pourrais pas mettre les carreaux maintenant. Donc là, je vais mettre le carreau central parce que je vais quand même en mettre un, sinon je vais passer trois plombes sur le chantier. Et je poserai cela bah, après avoir fixé l'encadrement. J'ai pas trouvé d'autres solutions là-dessus. Après, j'ai pas été non plus chercher pendant 1000 ans. Mais voilà, si vous en aviez d'autres, moi, ça m'intéressait de savoir. Parce que là, dans l'idéal, ça aurait été d'avoir les trois carreaux, de venir poser la porte, et puis c'est fini, quoi. Mais je voyais pas comment me fixer, honnêtement. Hein. Voilà. Bon. Oui, là, peut-être que je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc j'ai fait, vous avez vu, un assemblage là avec des lamelles classiques. Hein. C'est juste pour tenir l'affleurage, là. Donc ça, je l'ai pas collé, ça. C'est pas du tout collé. Par contre, cette pièce-là est collée sur le vitrage. Ok. Le vitrage, lui, est collé aussi dans l'encadrement. Silicone, hein. Ça, il ne bouge pas comme ça. Parce que s'il se met à bouger comme ça, il risque d'entraîner cette pièce. Maintenant, cette pièce est aussi tenue par la poignée, avec la rosace. Maintenant, ça suffisait pas, forcément, et en serrant ici, ça relevait un petit peu là. Donc là, c'est parfait. Ça tient bien. Parce que ça, il faut que ça soit démontable. Si jamais le carreau pète, celui-là, eh ben, on pourra plus jamais l'enlever. Sinon, voilà, il faut péter tout l'encadrement et enlever. Donc, c'est pas le projet du tout, là. Donc là, ce qui va se passer, si jamais ce carreau pète, il suffit juste de passer une spatule ici. Il y a très peu de colle, donc ça va aller très vite. Hein. Après, on tire cette pièce, on l'enlève, et on peut enlever le carreau. Voilà. C'est important, ça, il fallait y réfléchir. Mais voilà. Bon, ça, pareil, ça m'a pas pris 1000 ans pour le faire, hein, mais voilà. Hein. Parce que là, on a vite fait de condamner cette chose, ce qui fait qu'après, les clients, si jamais, ben, je sais pas, moi, dans 5 ans, quand j'aurai arrêté la menuiserie, eh ben, du coup, ils vont dire, mais comment on fait maintenant, hein? Voilà. Tu sais, je fais des études de chirurgien, là. Ouais, on peut pas tout faire. Hein. Bon, allez, je mets le carreau et puis c'est bon. Parce que les fléchettes, ça va 5 minutes. Hein. Oh, j'ai une tronche. 566. 566. Je sais pas qui c'est qui a fait l'encadrement, mais... Alors, moi, je fais toujours 566. Enfin, pas toujours, sur tous les projets, parce qu'il y a des fois où ça va être trop long ou trop court. Mais là, en l'occurrence, 566, mais un petit peu plus costaud. Pour que ça vienne, tac, clac. OK? Et pas genre qu'il y ait 1 cm de jeu ou 3 cm d'acrylique. Hein. J'entends que dalle. Bon, à demain. We'll be right back.
Thank you.